Pourquoi handicapé ne veut rien dire? Ça veut rien dire du tout, c'est vrai. On ne dit pas de soi, en général, ceux qui ont un handicap, ils sont capables de faire la différence. On ne dit pas « je suis handicapé » ou on ne dit pas d'une personne qu'on recrute qu'elle est handicapée. On dit « c'est une personne qui a un handicap ». On n'est pas handicapé, on a un handicap. C'est un peu la différence de dire « je suis malade » ou « j'ai une maladie ». Ce n'est pas du tout la même chose, parce que dans un, on va être sur la personne, centré sur l'individu, et ça peut faire plutôt mal, alors que dans l'autre contexte, sur la notion du handicap, quand on dit par exemple « j'ai un handicap », ce qu'on va mettre dans l'esprit des personnes, c'est on les oriente vers la typologie du handicap, et non pas sur l'individu. Donc il y a « tout s'en va », enfin « tout s'en va », les notions de jugement, les notions d'interprétation, les notions de regard, et des jumelles, là, il est handicapé. Non, il a un handicap, c'est une situation qu'il vit lui, mais lui, il est un individu à part entière, ça pose aucun problème. Donc attention à la différence entre je suis handicapé, enfin en général les handicapés, ceux qui ont un handicap, ils ne le disent pas, ils ne sont pas du tout dans ce schéma-là. Ils ne le disent pas comme ça, j'ai un handicap. Voilà, et quand vous parlez à quelqu'un qui a justement un handicap, faites bien la différence entre t'es handicapé ou tu as un handicap, ce n'est pas du tout la même chose. Et croyez-moi que le ressenti humainement parlant sur les émotions, il y a quand même une sacrée différence, il y a une vraie marque de respect sur justement le handicap que la personne a. Pas plus.